l'ISP n'est pas le début de ma carrière. Lorsque j'arrive à l'ISP, j'ai déjà un certain nombre d'expériences derrière moi. La première expérience dont je dispose, c'est d'abord une expérience de prof du secondaire et de prof de philo dans une école normale d'instituteur. Et là, j'y ai mené une expérience qui est une des toutes premières expériences de pédagogie non directive telles qu'on les voit apparaître à cette époque-là, puisqu'on est à la fin des années 50, en Europe occidentale. Donc, si j'insiste là-dessus, c'est d'abord pour dire que j'ai une pratique de l'enseignement secondaire, hein, puisqu'on reproche souvent aux pédagogues d'avoir jamais foutu les pieds dans une classe, je sais ce qu'il en est. Par contre, j'ai une expérience tout à fait singulière de la... puisque j'ai mené des tentatives non directives qui ont donné lieu à mes deux ouvrages sur la non-directivité. En fait, si j'essaye ça, c'est parce que précisément, je suis déjà habité par une idée que je vais traîner avec moi pendant toute ma carrière, qui est la question qui peut être résumée de la manière suivante. Au fond, en définitive, qu'est-ce que je suis en train de fabriquer? Et c'est une question qui est à la fois une question que se pose, enfin, ou que devrait se poser n'importe quel praticien, de n'importe quoi d'ailleurs, puisque le mot fabriquer peut qualifier tout ce qu'on veut. Mais c'est aussi la question que le chercheur se pose. Qu'est-ce que je suis en train de fabriquer? C'est-à-dire, l'artefact que je suis en train de constituer, que je suis en train de modéliser le plus souvent, hein, va me permettre d'avoir quel type de prise sur la réalité des choses. Donc quand j'arrive à l'ISP, je suis quelqu'un qui s'est intéressé, par le biais de cette question-là, à la réalité des classes, mais qui alors a été formé pendant ses études à la psychologie sociale américaine. J'ai eu cette chance d'avoir comme prof de psychologie sociale et de psychologie expérimentale Marie-Louise Fanchon, qui débarquait des États-Unis où elle était DRH chez Ford. Et c'est en tant que DRH chez Ford qu'elle a participé aux premières expériences de dynamique de groupe de Kurt Lewin et de ses collaborateurs. Donc j'ai été plongé dès ma formation, qui était une formation de philosophe, mais en même temps que je faisais ma licence de philosophie, je suivais pratiquement tous les cours de la licence de psychologie. Je menais les deux de front. Et avec Fanchon, j'ai eu cette première expérience de la dynamique de groupe, du training group. Et on ne l'a pas simplement eu, cette expérience, dans les livres. On a fait les choses ensemble, c'est-à-dire qu'elle a transformé le séminaire en un véritable groupe, training group, et nous avons donc expérimenté les choses en même temps que nous les théorisions. C'est-à-dire que nous théorisions ce qui nous arrivait. Hein. Et j'avais évidemment dans le même cours que moi, Marie-Joëlle Dardelin, qui va co-signer avec moi quelques années plus tard, les ouvrages sur la non-directivité. Donc, c'est à la fois, c'est véritablement une sorte de lancement, à la fois dans la psychologie, par le biais de la psychologie sociale, et dans la pédagogie, parce que le terrain d'application où je mets tout ceci en œuvre, c'est la classe terminale
de l'école normale d'instituteurs. Et je n'hésite pas à le faire dans une classe terminale d'instituteurs, parce que je sais que ces gens-là ont besoin de ce type d'expérience pour comprendre ce qui se fabrique dans leur propre classe. Car ceci me paraît d'emblée valable tout aussi bien pour un séminaire universitaire de troisième cycle que pour une classe maternelle, hein, étant donné qu'on a un certain nombre de constantes qui sont les constantes de la vie des groupes, hein, et de leur évolution. Donc, Fanchon, qui a été ma prof de psychologie sociale à Angers, est directrice adjointe de l'école de psychoprate de l'Institut catholique de Paris, et elle a besoin d'un enseignant de psychologie générale. Donc elle m'invite à donner ce cours de psychologie générale. Il va se trouver d'ailleurs que je vais vivre les événements de 1968 comme prof de psychologie générale à psychoprate, ce qui m'amènera, je me souviens, un matin vers 6 heures dans le hall d'entrée de l'Institut catholique pour essayer de m'entremettre entre les étudiants de psychoprate et le recteur de l'Institut catholique, parce qu'il y a des conflits, comme il y en a dans toutes les universités parisiennes à cette époque-là, et Dieu sait que l'Institut catholique de Paris n'en est pas dispensé, et comme me l'avait dit un jour Jacques Lacan, écoutez Ameline, de toute façon, l'Institut catholique, c'est comme partout, vous pourriez mettre même un calicot sur l'entrée, et avec cette inscription, ici, on baise autant qu'ailleurs. Donc, effectivement, on participait très bravement à tout le mouvement parisien. Donc, peut-être que d'ailleurs, cette expérience de m'être entremis entre des étudiants et la responsabilité du rectorat a peut-être créé une certaine image à mon sujet. J'ai été alors à ce moment-là invité par la faculté de philosophie à y donner un cours de psychologie générale auquel venaient, me semble-t-il, assister des étudiants de l'Institut supérieur de pédagogie. C'est donc à ce moment-là que j'ai été invité à donner à l'ISP, on était alors... Ça, c'était en 66 ou 67. Hein. J'ai été invité à donner un cours de psychologie expérimentale appliqué à l'éducation. Et le professeur de psychologie de l'ISP à ce moment-là, c'était Antoine de la Garandrie, qui donnait ce cours de psychologie générale, lui, à la faculté des lettres. Donc, moi, j'arrivais de la faculté de philosophie pour faire de la psychologie. Lui arrivait de la faculté des lettres pour faire de la psychologie avec des pédagogues. Alors, quels étaient ces pédagogues? Ils étaient peu nombreux. C'était, je ne sais pas combien, une trentaine peut-être, une quarantaine. Là, il faudrait revoir les statistiques. Hein. Mais, alors... Ce qui se trouvait à ce moment-là, c'est que le directeur, le chanoine Rennes, le directeur de l'ISP, était gravement malade, et pour de longs mois. Et on peut dire que, je vais employer une métaphore qui n'est pas trop antipathique, l'ISP était un petit institut qui regroupait essentiellement des étudiants et étudiantes étrangers. Je me souviens, il y avait des Syriennes, il y avait des Libanaises, il y avait des Canadiens, quelques Français. Mais étant donné qu'il n'y avait pas de diplôme reconnu véritablement par l'université française, il y avait peu de Français qui étaient intéressés par cette formation, et que l'enseignement catholique
dans son ensemble, et en particulier avec son secrétariat général, ne s'intéressait pas d'une manière particulière à l'Institut de pédagogie de l'Institut catholique de Paris, et à l'Institut catholique de Paris d'ailleurs en général. On était là devant deux mondes qui n'avaient pas beaucoup de points communs. Donc, je suis alors conduit à donner cet enseignement, et j'ai le souvenir que ça a frappé les étudiants qui ne s'attendaient pas du tout à faire un certain nombre d'expériences, et en particulier des expériences de groupe de ce type. Et le cours que je faisais était assez fortement différent de celui que faisait la Garandrie. Le vice-recteur m'a donné un mandat, parce que le directeur est de nouveau retombé malade et il ne reviendra pratiquement pas, un double mandat. Le premier mandat, c'était de faire en sorte que l'ISP puisse prendre sa place parmi les départements de sciences de l'éducation français et francophone. Parce que sa place, il ne l'avait pas. C'était un espèce de petit nid dans le coin, les gens s'entendaient bien, ça se passait bien, les profs étaient gentils, les étudiants l'étaient aussi, c'était trop gentil. Ils vivaient heureusement ensemble, mais leur diplôme ne valait rien. Donc, il fallait faire remonter le niveau universitaire de cette institution. Et il n'y avait pas 36 moyens de le faire. Et j'ai eu l'occasion à ce moment-là de proposer à l'ensemble des collègues d'inventer le séminaire de formation mutuelle. C'était toutes les semaines, le jeudi après-midi, on se réunissait, tous les profs, on prenait un thème et on travaillait ensemble. Et chacun menait ses recherches dans telles qu'il les avait entamées. Un homme comme la Garandrie continuait à travailler, toujours en lien avec son enseignement en lettres. Mais il y avait des gens comme Verne, comme Pivetot, comme Van Niel, comme Le Weller, comme Carton, comme Réherme. Réherme, qui est celui qui m'a initié à l'histoire de l'éducation, puisque à cette époque-là, l'histoire de l'éducation, je ne m'en occupe pas du tout. Donc la première chose, c'était faire monter le niveau. Et faire monter le niveau, c'était mettre en place des exigences universitaires à l'égard des étudiants. Ça n'a pas été simple du premier coup. Parce qu'il a fallu, il a fallu refaire des épreuves d'examen, il a fallu refaire des programmes auxquels on devait se conformer. Donc c'était un peu un travail de garde, pas de garde-chiourme quand même, mais c'était quand même un travail de régulation d'exigence et de faire en sorte que on sorte d'une bonne entente de bonne compagnie pour devenir véritablement un endroit de formation universitaire. Mais en même temps, la deuxième chose que voulait me faire le vice-recteur Latour, c'était de faire en sorte que l'Institut catholique prenne place dans ce qui était en train de se mettre en route sur l'ensemble du territoire, la formation continue. Or, il y a une population qui, pour le vice-recteur, apparaissait comme la population, on pourrait dire, adéquate pour un institut comme l'Institut supérieur de pédagogie, c'était les enseignants de l'enseignement catholique. Il fallait donc qu'il y ait une alliance qui se prennent avec l'enseignement catholique pour que l'ISP devienne
le lieu, on pourrait dire quasiment le lieu ordinaire de la formation continue des enseignants. Et il y a eu deux réalisations qui ont évidemment illustré cela. L'ARP, l'année de rénovation pédagogique, et puis alors surtout, évidemment, parce que ça allait donner lieu à la formation de milliers de personnes, l'université pédagogique d'été, dont la direction fut confiée à Paul Aubray et Marie-Joëlle Dardelin. Et avec ces deux, l'ARP et l'UPE, on avait déjà donc une prise sur cette population-là, et il s'agissait alors de faire en sorte qu'on élargissait progressivement l'ensemble des offres faites par l'ISP pour que la population, disons, de la formation continue des enseignants, au moins de l'Île-de-France ou de la ville de Paris ou de la région la plus proche, s'habitue à mettre les pieds au quai aux fleurs. Et c'est ce qui arriva quand même, en grande partie. L'université pédagogique d'été, organisée par l'Institut supérieur de pédagogie de l'Institut catholique de Paris, est pratiquement la première université pédagogique d'été qui ait eu lieu en France. Tout le monde s'y est mis après, mais il y a véritablement là quelque chose qui est une spécificité de l'ISP. Par contre, il a fallu le faire en organisant cette université, et le mot université n'est pas trop, puisqu'il s'agissait quand même d'une formation qui durait un mois, et qui avait, on a dû aller jusqu'à 1200 participants, mais c'était véritablement de très grands nombres, donc il fallait de nombreux formateurs. Il fallait des formations à la fois portant sur les didactiques des disciplines. Donc il nous fallait des physiciens, il nous fallait des chimistes, il nous fallait des littéraires, il nous fallait des profs de grec, des latins, etc. Et en même temps, nous souhaitions que ce soit une expérience qui permette, de vivre en réalité la vie du groupe, qui ne pouvait pas se faire à 1000, encore qu'on pouvait faire des assemblées aussi, mais il fallait qu'il y ait aussi la présence de groupes, de training groups, de groupes de formation. Donc ça demandait une organisation tout à fait considérable. Mais j'accordais autant d'importance à la didactique des disciplines, l'apprentissage des techniques nouvelles, en particulier du côté de l'audiovisuel, puisque le numérique n'existait pas encore à ce moment-là, on n'avait pas d'ordinateur, mais il y avait par exemple des laboratoires de langue, il y avait aussi alors le maniement de l'audiovisuel. Donc il y avait ça, et il y avait au fond l'expérience de groupe qui était toujours axée, grâce au nombre de moniteurs. Je me souviens d'une fois de m'être trouvé avec le nombre de moniteurs de groupe, on était 60. 60 personnes qui allaient avoir la responsabilité donc de 60 groupes pendant la totalité du déroulement de l'université pédagogique d'été, où sur un regroupement de quelques jours, ça dépendait, en ne faisant que cela. Donc, on avait cette formation qui était une formation qui atteignait, et ça je l'ai constaté à plusieurs reprises parce qu'on a quand même eu quelques drames à ce sujet, qui atteignait les enseignants qui participaient, les atteignait véritablement jusqu'au tréfonds, parce qu'il s'agissait au fond de vivre une expérience avec d'autres, alors que c'est souvent des gens qui, au fond, faisaient la classe
autant pour se défendre d'autrui que pour avoir avec lui un contact délivré, un contact qui ne se protège pas. Et il fallait pouvoir, au fond, faire l'expérience d'être sans protection, autre que la force en soi-même. Et ça, y a un certain nombre de gens qui n'ont pas pu faire cette expérience-là sans en souffrir considérablement, ou sans même voir précisément leur propre point de repère s'ébranler. Hein. Par contre, on en a un certain nombre, me semble-t-il, il faudrait les interroger maintenant, hein, qui ont tiré de ces expériences-là une nouvelle manière de se situer par rapport à leurs élèves, par rapport à leurs collègues, par rapport à leur hiérarchie. Mais ce fut une expérience assez extraordinaire qui a été en se débilitant progressivement. Les dernières années n'étaient plus aussi brillantes et aussi enthousiastiques que les premières. L'université pédagogique d'été, on a voulu, vis-à-vis du secrétariat général de l'enseignement catholique, faire en sorte que ça soit une expérience qui soit d'abord universitaire. Donc, on en a été... Enfin, Monseigneur Cuminal, qui était à ce moment-là le secrétaire général de l'enseignement catholique, n'avait aucune confiance en nous. Aucune. On passait à ses yeux pour des gauchistes qui avaient trempé dans les événements de 68 de manière... tout à fait douteuse, et par ailleurs, l'enseignement qu'on donnait, les profs, ils n'en avaient guère besoin, si vous voulez, qu'ils avaient besoin de Galperine ou de Skinner et de ces trucs-là. Non, non, c'était pas très sérieux à ses yeux. Et puis surtout, oui, en fait, il n'aimait pas l'orientation de la revue Orientation, qui lui paraissait trop rebelle, trop marginale, pas assez contrôlée par le centre, hein. Si bien que on a eu quand même de grosses difficultés avec le secrétariat général. Au point, je cite ça parce que c'est un détail, que sur le tract, enfin, ce qui était le dépliant qui présentait l'université pédagogique d'été, il a fallu que l'on discute pied à pied la mention Institut catholique de Paris dont il ne voulait pas. Et alors, on a réussi quand même à obtenir que le mot Institut catholique de Paris soit d'une certaine taille pour que ça n'apparaisse pas dans une petite note en bas de page, hein. Mais ils se sont quand même arrangés pour que ce soit en caractère noir sur un fond violet ou je ne sais plus trop quoi, mais à peine lisible, tellement on voulait faire en sorte, enfin, le secrétariat général voulait faire en sorte qu'en définitive, la référence à l'Institut catholique soit la plus discrète possible, parce que c'était de l'université, et que l'université, on s'en méfiait comme de la peste. Alors, ce ne fut pas le cas, évidemment, ni du directeur de l'ISP, qui était cet admirable Jean Le Pichon, hein, et... Ça n'était pas le cas non plus du directeur de l'UPE, Paul Aubray, son adjointe Marie-Joëlle Lardelin, qui étaient eux-mêmes des universitaires, mais qui se trouvaient coincés entre, au fond, nous, à l'ISP, qui représentions, au fond, en définitive, quelque chose qui était, de l'ordre de la liberté, d'une certaine manière. Alors que ceux qui avaient le titre
de la liberté de l'enseignement, le secrétariat de l'enseignement libre aurait bien aimé encadrer les choses d'une manière beaucoup plus grande. Et ce fut un débat difficile. Ben, le défi que vous avez à relever, c'est un défi que nous n'avions pas à relever dans les années 70-80. Nous en avions d'autres, hein, mais nous n'avions pas celui-là qui caractérise véritablement ce qui, à mes yeux et aux yeux d'un certain nombre, est un véritable changement de culture qui s'est opéré grosso modo dans les années 90. Et que ceux qui, comme moi, ont vécu l'essentiel du débat, l'essentiel de la polémique autour de, on pourrait dire, d'un espèce de progressisme global, gauchisant, si on veut. Moi, je veux bien qu'on le caractérise de gauchisant, ça me fait pas, comment dire, ça ne m'injurie pas, hein, même si ça ne me flatte pas non plus, mais ça ne m'injurie pas. Donc, on était dans un débat dont, par exemple, le débat idéologique Snyder-Samlin est une caractéristique. En fait, le véritable problème des années 70 et 80, début des années 80, C'était le problème des rapports entre la formation de la personne et la formation, on pourrait dire, de la société. C'était au fond un espèce de choix entre Bourdieu et Passeron d'un côté et puis Carl Rogers de l'autre, quoi. Hein, comme si c'était incompatible. Et notre travail consistait à rendre ces choses-là compatible. Mais le problème de la, disons, du rapport au savoir ne nous paraissait pas un problème fondamental en lui-même. La didactique des disciplines, on pouvait l'améliorer considérablement. Et ça se faisait. Des choses comme ce que faisait André Giordan, par exemple. Et puis bien d'autres. La didactique des disciplines, on pouvait. La formation de base de la prise en compte de ce qu'étaient les groupes vivants comme une classe en est un exemple. On pouvait aussi. On pouvait. Par contre, à partir des années, la fin des années 80, et le début des années 90, qu'est-ce qui apparaît ? Apparaît l'ordinateur, apparaît le numérique, apparaît une autre distribution mondiale dès le début. Hein ? Une autre distribution du savoir, avec en particulier alors l'obsolescence immédiate des institutions du savoir. Et en particulier l'institution scolaire à la française. Hein, le prof qui fait son cours avec ses élèves qui sont en randonnion devant lui. Or, l'obsolescence de ce modèle-là, nous la vivions, on pourrait dire, d'une manière psychosociale. On se dit, après tout, on peut s'organiser, organiser l'espace autrement. Je me souviens des études de Bourdieu et de Monique de Saint-Martin sur précisément la forme de la classe, auxquelles on répondait nous-mêmes par nos propres études sur la même question à l'ISP. Mais ce n'était plus le problème. Le problème, c'était que le savoir avait émigré de ces lieux institutionnels vers des lieux qui ne s'institutionnalisait pas du tout de la même façon. Et qui alors
dépassait absolument toutes les frontières qui avaient été marquées jusque-là. On avait affaire à un savoir qui ne pouvait plus être l'objet d'une détention préférentielle. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui détiennent le savoir, qui en général, puisqu'ils le détiennent, ils le retiennent en même temps, hein, mais là, ça foutait le camp partout, ça s'en allait et ça revenait. C'est-à-dire que les modes de circulation, le mode de circulation vertical descendant n'avait plus cours par rapport à d'autres modes de circulation, et en particulier avec la création à partir des années 90 des réseaux sociaux, ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux. Alors avec toutes les précautions qu'il faut prendre, etc. Mais il n'empêche qu'il était tout à fait possible d'aller dans une classe avec un ordinateur et pendant que la bonne femme ou bonhomme fait son cours, on se forme en écoutant un Gus qui fait la même chose en Nouvelle-Zélande. Hein. Puis on le fait en anglais, à ce moment-là, ça fait une double formation parce que vous faites de l'anglais et vous faites de la physique. Hein. Bon. Etc. On peut inventer n'importe quoi. Les pseudonymes arrivent à faire en sorte que la révérence au détenteur du savoir devient quelque chose de complètement obsolète. On peut injurier, on peut dire des grossièretés, on peut dire des sottises, ça n'a pas d'importance, de toute façon, l'impunité est là. Il circule donc n'importe quoi. À ce moment-là, on peut dire, il faut arrêter, mais c'est inarrêtable, parce que ça ne pourra faire que augmenter. Et au lieu d'avoir 2 milliards d'informations qui circulent en une minute, vous en aurez 6 milliards, puis 10 milliards. Ça disparaît peut-être un jour, mais pour le moment, le statut du savoir, c'est un statut baladeur. Et il faut donc que tous ceux qui étaient les détenteurs du savoir institutionnel fassent la preuve maintenant et de leur compétence, et de leur légitimité. Jusque-là, ils avaient la légitimité parce qu'ils étaient sur l'estrade, et qu'il y avait une autorité qui les avait foutus, donc pas de problème. Hein. On n'est plus dans la même culture que celle que j'ai connue, moi, dans les années 70-80. On est devant une culture complètement différente, dont je serais incapable à l'heure qu'il est, et je serai mort avant de savoir ce qu'il en sera, ce que l'école va devenir. L'école telle qu'on la reçoit du 19e siècle et telle que tous ses défenseurs agrippés au modèle de l'école, avec le modèle de la classe, hein, tel que tous ces défenseurs sont là pour la défendre, c'est quelque chose qui est mort.